Je ne suis pas quelqu'un qui se satisfait facilement. Et je dirais même que je peux parfois être l'éternel insatisfait, celui qui en veut toujours plus, celui qui n'est jamais rassasié. On m'appelle l'obsédé de la croissance et du progrès. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui croit toujours que le meilleur moyen de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer et qu'il existe des solutions qui permettent d'améliorer la vie des gens. Alors moi, je suis plutôt du genre hyperactif. C'est le genre où on a 10 idées à la minute, une espèce de foisonnement cérébral permanent. Ce qui est très fatigant et qui n'est pas très utile en fait, parce que ça ne rend pas du tout intelligent. Et en plus, c'est très pénible pour mes collaborateurs. Je suis curieux. Curieux des arts et de la culture. Curieux des autres. Curieux des autres cultures. Je suis français et fier de l'être. J'habite à Londres. Je suis papa d'une petite Suédoise. Et je suis nomade aussi. J'ai voyagé dans plus de 120 pays dans le monde et je rêve de parcourir le monde entier. Nous sommes une entreprise mondiale de services aux entreprises qui emploie plus de 90 000 personnes dans près de 50 pays. Et je crois que notre plus grande fierté au cours de ces 20 dernières années, c'est d'avoir développé l'emploi, les meilleures pratiques managériales, l'inclusion, l'égalité salariale homme-femme, jusque dans des pays comme le Kosovo, le Suriname, la Côte d'Ivoire ou Madagascar. Chez Webhelp, nous sommes de grands optimistes. Nous sommes des optimistes par nature, par construction. C'est dans notre ADN de ne voir que les opportunités et jamais les contrariétés.